Le prince Harry et Meghan Markle sont sur le point de faire savoir au palais s'ils assisteront au couronnement du roi le mois prochain. Le prince Harry et Meghan Markle sont sur le point de dire au palais s'ils prévoient ou non d'assister au couronnement du roi dans quelques jours. La décision du président Biden de dire au roi qu'il ne fera pas le voyage pour l'événement historique aurait accéléré leur réponse. Des sources disent à express.co.uk que même si Harry devrait accepter l'invitation, l'apparence de Meghan est toujours incertaine. Le duc et la duchesse de Sussex ont raté la date limite officielle de RSVP, fixée par les responsables au lundi 3 avril. Mais le couple est sur le point de se décider, selon un certain nombre de sources bien placées. Une source a déclaré au Times, « J'entends qu'ils vont bientôt confirmer leur plan, surtout maintenant que Biden l'a fait ». Le site web page 6 du New York Post a également signalé que les plans de voyage de Harry et Meghan étaient en cours de finalisation. Une source a déclaré, il y a eu de longues discussions entre les Sussex et le palais. Il y a un manque de temps à ce sujet, bien sûr. C'est un événement tellement historique et on espère que Harry et Meghan seront là. Une autre source a déclaré, toutes les familles sont difficiles, mais ce n'est pas une famille normale, bien sûr. Harry a beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'événement. Les responsables du palais ont travaillé sur l'hypothèse que Harry et Meghan feront le voyage aller-retour de plus de 10 000 miles pour le couronnement, en les incluant dans les plans de siège, les arrangements de voiture et les plans de dîner. Mais ils ont été exclus de la procession du couronnement et de la programmation du balcon, car cela a été réservé aux membres actifs de la famille royale uniquement.